Hello tout le monde, ici Omega Lex pour un nouvel épisode de Pokémon Showdown, yeah! Et oui, on est de retour, youhou! Parce que je suis super excité et j'ai envie de faire du battle, parce que c'est comme ça, moi j'ai envie de faire des battles, je suis super excité, what? Ah, ça me fait plaisir hein, d'être comme ça les gens, ça me fait plaisir. Ça me fait putain de plaisir. Oui! Attends, attends. Elle est où mon équipe de légendaire d'hier? Non! Putain! Ah ouais, c'est cassé où? C'est pas possible! Bon, ben du coup, OU Beta, Gen 6, go! Faites fort un battle, s'il vous plaît. Sortez vite, c'est parti. Ok, donc, résumons notre situation un peu ici. Nous ne sommes pas dans la merde. Je suis content. Le seul problème dans ce combat, ça va être lui, notamment le Noacier, le Cisaillox, lui aussi qui peut utiliser Spore, le Donphan qui a notamment Éclaglace, donc c'est mauvais pour mon Dracolos. Le Chandelure, je connais pas son nom en français, merde. Je peux le défoncer avec mon Minotaupe, no problem. Du coup, Pyrax, je te choisis pour commencer. Donc j'ai eu raison. Lui, il n'a pas de reste. Il a le casque brut. C'est quasi sûr. Donc je vais directement envoyer la Fiery Dance. Le one-shotter, ça fait plaisir. Il va ensuite envoyer son Dracolos ou bien son Chandelure. Hein, c'est deux options envisageables. Il envoie son Chandelure. Donc il va sûrement utiliser une attaque feu. Mon Minotaupe ne pourra pas forcément gérer contre dans cette situation-là. C'est pourquoi je vais envoyer mon Azumarill. La déflagration rate, donc je vais pouvoir utiliser mon Aquajet. Pas de one shot, mais c'est quand même puissant. Il utilise Écosphère qui est puissant, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ensuite, je vais lui défoncer sa petite lanterne. Il va envoyer le ouais, voilà le champignon, j'avais prévu. Il va utiliser Mach Punch. Alors, Mach Punch, je vais envoyer Volcarona. Mais il utilise Spore. Alors là, j'ai pas du tout prévu ce type de situation. Donc, je vais utiliser Talonflame, mon Flambusard. Et ouf! Je me suis pas pris la lame de roc. Je suis super content. Donc, je fonce avec une attaque de type vol sur lui, mais il switch sur son Dracolos. Il se prend 34% de sa vie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est me buffer un peu. Hein, on sait jamais, ça peut être utile. Donc, il utilise Dracogriffe. C'était peut-être envisageable. Je vais me soigner. Lui aussi, il fait de même. Ce qui me donne une nouvelle opportunité de me buffer un tout petit peu. Je vais encore augmenter mes stats. Il se trouve que lui aussi, il va faire de même. Donc je vais directement envoyer le Rapace qui va faire mal, bien évidemment. Il utilise Danse Draco une nouvelle fois, mais il est un peu dégénéré puisque j'ai Gale Wings comme capacité, comme talent sur mon Flambusard. Et donc ça me permet d'utiliser mes attaques vol en premier. Et donc Rapace avec Gale Wings, c'est complètement cheaté. Voilà, ce Donphan ne peut plus rien faire. Ce Donphan a été complètement annihilé. Je vais ensuite envoyer mon Azumarill pour utiliser l'Aquajet. Et du coup, donc, tuer le Donphan. Mais ce n'est pas le cas. Et celui qui revient, c'est le Chapignon. Et il se trouve qu'il a soin poison. Je crois que c'est ça, soin poison. J'ai pas du tout prévu ça en général, donc je vais garder mon Volcarona, mon Pyrax, au cas où il poserait un problème celui-là, puisqu'il a une attaque de type roche et c'est très très mauvais, on le sait tous. Je vais de ce pas donc utiliser. Quelle situation les gens, hein? On n'est pas dans une bonne situation. What? Il s'est déconnecté? T'es pas sérieux. T'aurais pu gagner, mec, c'est quoi ton problème? Bon, bah, je crois qu'on va patiemment attendre 60 secondes.
Et pour vous épargner ce petit temps, je vous fais une petite ellipse. Allez, on se retrouve juste après. Re, mes chers amis, il se trouve que mon adversaire va abandonner, hein, il avait complètement rage quit. Je peux pas dire que mon équipe est cheatée, mais quand même, je sais l'utiliser et à bon escient, donc ça me fait plaisir. On va se refaire un combat, parce qu'on est comme ça. Et on retrouve beaucoup de menaces en face. Alors, la méga évolution du Charmina, le Trousselin, avec Cage Éclair, le Crustabri, le Sépiatros avec Contraire, c'est extrêmement dangereux. Et l'Amphinobi, donc que j'appelle le Shinobi. Non, par contre, Amphinobi, je peux le défoncer avec Rapace. Donc oublie, c'est pas trop une menace. Je vais direct commencer avec mon Pyrax. Et on se retrouve devant Keyblade. Donc on voit que ce Cérolandi est un adepte des jeux Kingdom Hearts. Tout comme moi, hein, je te respecte. Donc Swagger. Ah non, il n'utilise pas de. Merde. Cage Éclair, il n'utilise pas Cage Éclair, il utilise. C'est pas provocation Swagger, c'est. Bref, c'est un mouvement confus, ça augmente mon attaque, c'est extrêmement dangereux comme attaque. Il utilise le clonage, voilà, et il veut totalement me défoncer. Là, on est d'accord. Et moi et la confusion, ça fait deux. Donc, il veut totalement m'annihiler la face. Voilà, j'ai eu confirmation. Ce que je sais qu'il va essayer de faire, c'est me refaire Swagger tout de suite. Du coup, je peux pas l'éviter. Et je peux prendre les dégâts parce que je suis obligé. Voilà, il va utiliser clonage. Donc, mon Pyrax, il est bon pour la merde. Voilà, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et j'utilise une attaque pour lui détruire son clonage, mais il se brûle en utilisant une attaque, bref, de type ténèbres. Et ça va assez en mon avantage, je suis assez content. Donc c'est parti, on va continuer sur lui en utilisant séisme. Il va utiliser Swagger, ça j'avais prédit. J'espère que je vais pas prendre la confusion, mais si je me la prends, alors là c'est totalement mauvais les gens parce qu'il veut me défoncer si j'attaque pas. Il utilise clonage. Je ne suis plus confus. Je vais détruire le clonage. J'ai un bonus de plus de attaque. Alors si j'attaque là. Allez, s'il te plaît. Oui! La menace de son équipe a disparu. Donc si j'arrive à m'assurer des coups avec mon Pokémon ici, c'est bon, je crois que j'ai gagné. Alors si j'arrive à frapper. Allez, s'il te plaît. Allez, Minotaupe. Oui! Bien! Putain, il va défoncer l'équipe adverse. Ah non, merde! Non, pas le Charmina, il va me défoncer, le Charmina! Non! Je suis en train de les défoncer purement! C'est fini! Ah non, c'est pas fini! J'ai excité trop vite! Merde! L'Amphinobi, il me l'a détruit! Putain, j'étais sur une chaîne, les gens étaient en train de faire une chaîne de Pokémon, c'était magnifique! Je m'en lasserai jamais de ce jeu, je m'en lasserai jamais. Allez, Rapace, one shot. XXT, Crustabri. Je vais prendre le risque de pouvoir le brûler, peut-être. Allez, 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 non. Ouh, la Rock Blast qui manque! Dans ta face. Je suis en train de gérer un Métalos. Prends-toi ma boue de feu. Ignarface. Alors on va voir. Ah non, il a Bullet Punch. Il a point. Il a Pistol Point lui. Il a Pistol Point. Ah non, il a pas Pistol Point. Mais noob! Espèce de noob! N'importe quoi. Allez, un Coljet. For the win. Moi, je dis for the win. J'ai écrasé son équipe comme pas possible. Et GG à toi, Cérolandia, tu joues bien. Ah merde, il s'est cassé. Bon, merci à mon équipe. Finalement, je suis overpowered et j'ai de la chance.
puisqu'on mon Minotaupe a accumulé les boosts de Swagger et j'ai pu mettre des séismes de fou dans l'équipe adverse. J'ai complètement détruit et j'ai complètement détruit la Terre avec mes séismes. Je suis un fou, moi. Et oui, on va voir si notre chance peut nous accompagner encore pour un troisième et dernier combat. Oula. Cette équipe, le méga Dracaufeu, les gens. Le méga Dracaufeu X. Merde. Oula, ça va faire mal. Bon, on commence comme d'habitude avec ma petite Volcarona, ma Pyrax, mon Pyrax, ce que vous voulez. Xidorson, montre-moi ce que Doña Conchita. Allez, Bug Buzz pour commencer. One shot. Mais il a pas de ceinture force. Noob. Un Crustabrick n'a pas de ceinture force. C'est quoi cette merde? Mais apprenez à former vos équipes. Je sais pas moi. Dracolos, Pederasta. J'ai envie d'utiliser Hurricane. Donc c'est vent violent. Mais si ça rate, je suis dans la merde. Je risque tout pour le tout. Non. Dead. What? Les gens, il me restait 1% de ma vie. Trollolol. Mortel. Allez, Azumarill, à toi de jouer. Player off. Oui, bien. Le prochain va être Magnézone, puisqu'il peut totalement contrer mon Azumarill, l'Ojo de Sauron. C'est un espagnol, ce mec. Il va utiliser une attaque électrique ou une attaque de type acier. Auquel cas, je suis préparé. Minotaupe à l'attaque. Voilà, une attaque de type acier. J'ai bien prédit le mouvement adverse. Maintenant, séisme dans ta face. Maintenant, tu switch. Ok. Vas-tu méga évoluer en X ou en Y? Dans tous les cas, il est plus rapide que mon Pokémon. Oxlade. Il est en Y. Lance-soleil me défonce. Le soleil, c'est un problème. Allez, buff. J'espère qu'il n'a pas d'attaque pour contrer mon Flambusard. J'espère de tout mon cœur. S'il te plaît. Air slash. Oui, c'est bon. Je vais pouvoir le tuer. Descends-le. Oui. Oui. The power. Allez, je vais envoyer le mur de mon équipe. Tu m'as mis Enfada. D'accord. Tu m'as mis Enfada. Est-ce qu'il a mixé le français ou c'est juste l'espagnol? Tu m'as mis Enfada, c'est. On peut dire que tu m'as mis en colère. Enfin, s'il a mixé le français et l'espagnol, sinon je sais pas. Il y a le bullet punch, ça fait 28%. C'est rien. Je peux le défoncer. Cool, il n'y a plus de soleil. Pederestados. Allez, Crogivre. Oula, ça fait pas beaucoup. Allez, je vais refaire. Merde! Salope. Bon, son bouclier, il sert à rien. On est d'accord. Si j'arrive à le geler, si j'arrive à avoir le freeze hex, c'est trop. Je le flinch! The dream! Et on continue. Ah merde.
Oh, le petit malin! Le petit malin! Mais. T'es con? T'es con? T'es con? Putain, le sweep! Le sweep! Magnifique! Putain, c'est trop abusé! Ah merde! Putain non! Pas Bubble Cup! Oh là là, il va être chiant! Mais putain! Putain! On est de merde, je lui ai enlevé que 20% de sa vie maintenant, ça se fait pas! Mais pédalas, t'as pas sa juegar! Quick! Aïe! Il s'est pas suicidé! Oh là là, mais c'est cheaté! Monsieur, c'est cheaté! Un pour cent de sa vie, non mais oh! Crève! C'est la victoire de l'Aixius! Et voilà les gens, c'était une petite vidéo fun, troll, détente, ce que vous voulez. On s'est bien amusé. Moi personnellement, j'ai crié comme un fou et ça m'a fait plaisir. Donc, nous allons nous retrouver très prochainement. Voilà, j'ai fait deux vidéos de suite. Hier, la vidéo de légende troll et aujourd'hui une vidéo complètement crazy en compagnie de Tonton Laxou. Encore une fois, donc je vous dis au revoir. Vous êtes super, vous êtes les meilleurs. Je vous adore. Bye tout le monde.